Voilà, je suis Chantal Audet, je travaille comme coordinatrice du point village, c'est-à-dire l'antenne de quartier du contrat de quartier Les Mens. Donc les gens peuvent venir et d'ailleurs viennent au point village et posent leurs questions concernant le contrat de quartier, concernant leur quartier, concernant différentes choses et ils y reçoivent une réponse. L'antenne, c'est un peu un relais de proximité de la commune dans le quartier même des gens. En effet, on agit sur le bâti, les briques, que ce soit l'espace public ou les logements, mais il y a tout un aspect hyper important qui est l'aspect humain. Donc on essaye vraiment et on donne une place très importante à la cohésion sociale et à la participation des habitants dans le processus du contrat de quartier. Donc dès le début de l'élaboration d'un contrat de quartier, les habitants sont invités à s'impliquer dans leur contrat de quartier et cela se fait à travers un certain nombre de réunions qui se tiennent ici à l'antenne. Là, ils peuvent rencontrer les architectes qui sont les auteurs de projets, les échevins, les techniciens, les différents services qui interviennent dans les opérations du contrat de quartier. Et voilà, c'est peut-être là où on rencontre le plus de problèmes, c'est qu'au final, les habitants se sentent très peu concernés par le contrat de quartier, parce qu'en effet, ça ne les touche pas directement. C'est assez compliqué de toucher le public et d'avoir et de voilà, de faire que cette participation soit vraiment de la participation et pas simplement de l'information, comme parfois c'est le cas, quoi. Donc en décembre, l'antenne de quartier se termine en même temps que le contrat de quartier, mais on espère que la dynamique qui a été mise sur pied à travers toutes les actions de cohésion sociale dans le contrat de quartier perdure à travers la dynamique associative et tous les acteurs de terrain qui déjà même avant le contrat de quartier étaient extrêmement actifs dans leur quartier.